Ça, c'est mon frère. 1-0. 1-0 seulement, Xavier. Il faut dire que la rencontre... Ah, il avait grave le seum. Ouais. Mais je sais pas si c'est à cause de la défaite de la Belgique contre la France ou de la défaite de la Belgique à cause d'une action de Kolo Muani. Ça fait 3 fois d'affilée qu'on perd contre la France. Hein. On a l'impression qu'on est un parti politique de gauche en France, tellement qu'on perd. Et quand on est rentré à l'hôtel, je sais pas pourquoi il s'est énervé, il a commencé à se mettre des godemichés dans le cul. Mais je lui dis, mais 3, ça passera jamais. Et ça passe. Non, ce qui l'a énervé aussi, c'est qu'il fallait aller en Allemagne. Tu vois, il s'est sacrifié parce qu'il a bouffé de la merde pendant une semaine. Parce que les Allemands, ils sont peut-être bons pour faire des voitures, mais pour la bouffe, c'est des nazes, ok? Et donc du coup, il était... je le comprends. Non, mais aussi, il était pas content parce que dans le stade, il était juste derrière les Français. Et il était juste derrière le Français, tu sais, qui a toujours le chapeau coq sur la tête. Ouais. Et du coup, il a rien vu du match. Et 2000 euros pour voir le cul d'une poule pendant 2 heures, ça fout le seum. Bien. Vas-y. Non, mais ce qui est le plus dur, c'est pas de perdre contre l'équipe de France, hein, c'est de perdre contre l'équipe de France de Deschamps. Parce qu'ils sont vraiment nuls, hein. Nous aussi on est nuls, hein. Mais eux ils sont vraiment nuls, hein. En plus on le voit, il est tout rouge sur la vidéo, il s'est tapé des coups de soleil. Pour se taper des coups de soleil en Allemagne, faut quand même se lever très tôt, hein. Non mais là où il faut se consoler, c'est comment on se prendra pas une branlée contre l'Espagne ou l'Allemagne.